2024 là, FONOD, qui est le Fonds national des organisations de résistance pour Haïti stable démocratique, voulait une autre fois encore. Même les tout le monde fait silence, ou du moins, les gens qui ont des compétences, les gens qui sont dans le domaine, là, qui t'a dit halte là par rapport à démarche monsieur Gary Conny avec Edgar Leblanc fils a fait pour créer une zone d'ombre, pour créer turbulence, pour créer soulèvement en dans la médaille. Moi-même, Rosemont Jean, en tant que coordonnateur FONOD, et qui connaît, qui ensemble d'engagement, ou ensemble de militaires, te prend pour te remobiliser, pour te demander, pardon, pour te remobiliser l'armée, eh bien, nous ne pouvons pas permettre nous, pour nous accepter ce qui a passé en dans l'armée, dans le moment où nous parlons là. Nous avons deux points à traiter matin. Premier point, il y a pour à ce qui a passé en dedans l'armée d'Haïti actuellement. Que monsieur militaire et ou dis-moi, les anciens militaires qui trouvent en dedans nouveau l'armée a fait face, que n'ont pas qu'à déclarer, n'ont pas qu'à dénoncer. Parce que structure n'a pas permettre que l'armée lui-même dénonce une situation qui est anormale. Seul bagaille. Il est capable ou capable de nos cafou ou jouer nos mitines ou jouer nos soulèvements, mais laisse ça, il rentre dans le cadre plan avec démarche, manœuvre, autorité a fait, puis écrasé pour redémobiliser la médaille sous prétexte que monsieur militaire a soulevé, et puis sous base ça, pour jouer nos moyens. Pour yon dit, bon, yon même yon déjà gen plan, yon pendant la médaille, et yon vini avec sa relè, la gendarmerie. Étant donné Haïti pa gen culture question gendarmerie, et ensuite, manœuvre kap fait en de la mia, c'est yon manœuvre déloyale, et c'est pour ça, bon, ensemble de militaires qui pa ka, kap plein, kap crié bien bas, eh bien nous même nous accompagnons pour nous crier, haut et fort pour nous, ça y a dit bien bas, pour nous dire bien haut pour yon. Deuxième point, c'est comportement, attitude, action inacceptable et correct que M. Gary Conny décision prend à l'égard du président Conseil national Bensia. Moi, la presse pas dit rien, moi, personne pas dit rien. Comme si on prend tout ce qui a passé là, on prend tout là. Mais on a une situation de sécurité. On n'a pas de faillite pour être capable de dominer nous pour nous parler d'insécurité, insécurité. Pendant ce temps, yo même, il a fait des bagages extrêmement graves qui ont des conséquences sur le pays dans 5, dans 1, dans 2, dans 3, dans 4 ans. Parce que un pays qui a fait des transactions et qui a fait des transactions avec vous, qui a fait économie avec vous. Il faut assurer que les personnages que vous mettez en face, c'est des personnages qui sont fiables. Comment nous comprendre? Dans tous les pays du monde, il y a un groupe de monde, filles ou garçons, qui prend pour être responsable question finance, c'est parce que yo prend moun sa yo, bon certaine de crédibilité, bon certaine de compétence qu'il faut qui pourrait permettre yo investir confiance yo dans moun sa yo. Des moun qui dit l'argent sans avec l'argent, c'est des bagages qui beaucoup important. Mais moi m'a dit l'argent qui est plus important c'est toujours passé sans parce que là sans tomber moun ba. Sou ka fonde confiance, on mette le président Conseil national Banque de Crédit. En parlant de Raoul Pierre-Louis, n'est-ce pas? Sou te confié sous qu'accepter pour administrer, pour gérer l'argent, ça veut dire qu'on a certaines crédibilités pour faire. Raoul Pierre-Louis, pas qu'à dénoncer, il y a trois braqués,
trois assassins, trois voleurs. Ils ont pas barré dans la rue, mais ils ont tellement de puissance, ils sont entrés dans le banque là côté de là. Ils fait pression sur lui pour prendre l'argent contribuable, l'argent client déposé dans BNC. Que Raoul Pierre-Louis a devoir et obligation de protéger. Vous comprenez bien? Il a un devoir, il a une obligation, Raoul Pierre-Louis, en tant que président Conseil national, Banque nationale de crédit. Ça veut dire qu'il a une responsabilité tant morale, physique et juridique. Parce que si la banque a fait faillite, le premier monde qui a une explication pour bail, c'est Raoul Pierre-Louis. Et associé lui, pas vrai? Comment il y a trois braqués, il y a trois petits voyous, il y a trois délinquants que nous avons dénoncé préalablement, que nous avons dit, monsieur Sayo, c'est des voleurs, que la justice haïtienne a poursuivi pour vol, parce que ce n'est pas mon deal. Il y a une différence entre nous qui avons dit des voleurs, avec lorsque c'est Sayo le chef de la poursuite pénale. Nèg qui a commande pouvoir pour mettre le code vagabond en action, qui aurait le code pénal là, c'est lui-même qui fait un réquisitoire déformé, qui est formé au cabinet d'instruction, lui demande pour le cabinet d'instruction poursuivre nèg ça pour lui. Trois nèg, moun ça yo, moi voyez devant nous, moi voyez avec comme chef d'accusation, vol, détournement de fonds publics. Association de malfaiteurs. Ou prenez ça, qui trouve un cabinet de succès, juge la POCO, juge de succès pour qu'on rende une ordonnance pour t'a dit une ordonnance de non-lieu ou ordonnance de renvoi. Cependant, il y a un épée d'avocat sous tête qui ne permet que je dis, qui permet si vous avez une fonction, il faut mettre sous-côté en attendant la lumière faite pour s'enrayer les acquaintances, relations, pouvoirs, pas nous. Instruction qu'a fait sur yo, c'est sous côté pour ta mettre. Voilà que ces messieurs ça comprend ou fait yo vinn président conseil créé présidentiel ou ba yo pouvoir qu'on y a profité de pouvoir, y a marché craqué, y a marché pillé, y a marché volé, y a marché fait pression sur moun ba yo l'argent à tout prix. Gagnon moun qui prend responsabilité. Lui dit, barre volé, dès que ça se volé, et de barre yo, société. Parce que quand nous sommes Québec pour nous, nous venons braquer, nous venons prendre nous même. Au lieu de ça, je ne suis pas société. Au lieu de ça, je ne suis pas institution qui a bataille contre la corruption. Au lieu de ça, je appuie le gouvernement connu qui a dit la bataille contre la corruption. Eh bien, ça le fait, yo vini, yo révoqué Raoul Pierre-Louis. Donc, j'en ai souhaité. Yo pas même quitté l'enquête la fini, yo révoqué Raoul Pierre. Qui ça message ça veut dire pour nous? Message ça veut dire jodi a. Yo moun k'ap dénoncer corruption ou pas sécurité. Yo moun k'ap dénoncer vol en administration publique là, sous son directeur, yo vous message ba ou yo di gade. Ou les braqueurs ça ou vinn mettre tête à terre parce que sous dénoncer c'est on a prévoqué. Son message que Gary Konibay pour dire pas de bataille contre vol, pas de bataille contre corruption, même lorsque c'est ta perception, même lorsque c'est ta accusation, il faut t'attendre lumière faite. Ou pas qu'on ait décidé ou révoquer Raoul Pierre-Louis, et puis trois bois qui ont été dans primature, trois bois qui ont été villa d'accueil, ils ont une commission présidentielle, pour qu'ils continuent à braquer les gens, parce que chaque monde qui a braqué les gens, les gens ne savent pas qu'à dénoncer. C'est ça, je dis, nous devons dénoncer. Nous devons dénoncer. Parce que moi-même, je ne connais Raoul ni en paix ni en paix. Cependant, sous tes camettes, le président du Conseil national, c'est capturé l'argent payé, capturé l'argent client, ça veut dire qu'il y a une certaine crédibilité pour faire. Ou pas qu'à humilier, ou pas qu'à faire passer dans la place volée. Ça veut dire voler à circuler aujourd'hui dans la magie visuelle. Et Gérald Gilles a flâné comme président, comme membre du Conseil créé, qui a demandé l'argent. Gary Koni, mon compère t'a chita la cani pour planifier puis al casser banque là. Parce que je dis à Gary Koni fait le complice. Gary Koni en tant que premier ministre fait le complice de vol. Parce que c'est volé, nèg yo t'a chercher volé 100 millions de gouttes. Et si Gary Koni je dis à fait alliance, fait solidarité à toi monsieur qui dans conseil créyo, ça veut dire Gary Koni fait le complice.
de vol que nous avons fait dans la Banque nationale de Libye. Ça veut dire que le signal Sagaï Konivoya, son signal qui est très dangereux par rapport à tout l'autre monde qui peut pour recevoir un exemple, si il pressionne un exemple, eh bien, il peut connaître qu'il n'y a pas d'habilité pour dénoncer les gens qui viennent braquer. Ça, c'est. Nous, ça veut dire qu'il est important pour que la société pose le premier ministre la question, sur qui base il a révoqué Raoul Pierre-Louis et puis trois messieurs qui impliqués dans deux tournements, dans le vol, dans le braquage qui a fait sous conseil président du Conseil national BNCA pour nous connaître de qui privé, de qui manigance qui fait monsieur ça lui-même, il a fermé toute poursuite contre eux alors qu'il a révoqué les gens qui dénoncent. Ça, c'est point ça, c'est sous question façon. Monsieur Gary Conin prend décision parce qu'il est premier ministre pour révoquer Raoul Pierre-Louis qui dénonçait des braqueurs qui étaient déjà dénoncés préalablement avant l'installation. Deuxième point, c'est quoi qui dit ouais avec nouveau général Derby ou guerrier que Alsace, même qu'il va finir à cause du bonnet congé du pays à tantôt d'une crise. Et puis, en 2017, moi j'ai abouti à Chalmas pour me faire politique en tant que Simon 3e circonscription. Et Simon Matissan, c'est que moi-même, ligne moi c'est politique, moi je m'adhère avec aucun groupe ami et puis les amis n'y gagnent. Moi, mon seul numéro de téléphone, c'est avec moi parler, c'est avec moi sur les réseaux, je toujours frappé les gens qui ont volé pour me dire pas volé encore. Le numéro de téléphone, moi j'ai gagné, c'est 46-53-02-56. Je vais répéter encore, le numéro de téléphone que j'ai gagné, c'est 46-53-02-56. Et moi, je lance Pinga ou bien un défi à DCPJ, numéro Sambalien, lui mettre en enquête. Si il a mené en enquête, je n'ai pas numéro, ça on joue et communiquer avec le chef de bande ou le chef de gang qui est l'électricité, je vais communiquer avec lui, je vais parler avec lui, je vais livrer tête. Et je vais avoir l'autre adresse qui me travaille, je vais travailler dans l'autre l'État haïtien qui n'a pas le numéro 37. Et je mets à la disposition de la justice et n'importe la justice je vais pour me livrer tête. C'est pour raison ça fait, avant que je dans BAF, il y a une section de DCPJ, après les BAF et je parle de BAF, mais ce qui est fait, je vais dans le pompier qui est le commissariat pour le prince, je vais déposer plainte contre Anakia qui fait action. Anakia qui fait action qui s'en nomme sur le réseau. Monsieur le Ricardo Junior Abner, c'est un monde qui crée un faux compte, qui gêne et support avec Evans Legrand et puis on l'autre et amis encore, et qui vous sale l'image. Moi-même, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de lâche. Les m'a frappé un monde, je frappe l'anime, je frappe l'image. Les m'a frappé un monde, je me cache derrière le téléphone, je monte sur les réseaux sociaux ou bien je me crappe sous le béton, je frappe. Les m'a frappé lui Gérald Gilles, c'est par rapport à ce que la même publique l'a dit. Et puis, il y a des gens qui disent qu'ils ont des 100 millions. 100 millions, ils ont demandé à BNCA. C'est pour eux que ça a défrappé son groupe. Son monde, vous sentez ou paniqué par rapport à ce qui a défrappé BMPA ou BMPA ou BMPA. Ils ont des soucis de corruption sur lui. Je suis désolé, je ne suis pas couru. Son jeune garçon qui croit dans la bataille et qui aime les gens, qui est toujours prêt pour changer le pays. Et je n'ai pas de ligne, mais c'est politique. Même que je connais toujours des fois que je frappe, il faut que je frappe. On n'est qu'à attribuer ma boulot, je dis que je suis un bagage problème politique, mais je ne pas attribuer ma gang. Je suis un gang, et je parle de la fierté. Je suis un ghetto. Je suis un ghetto, je respecte les gens, je suis un respecte les gens. Je respecte tout le monde, je salue tout le monde, même si je suis un gang qui a accueilli sa gang. Et je suis un gang. Et le monde, je suis un peu plus très sous choc. Très émotionnellement très fâché. Les gens qui font ça, et Ricardo Junior Abner, au méchant, pour abjurer avec le bon Dieu, et pour abjurer avec le peuple haïtien. Pierre Ronald, Blamoto Chalmas, porte-parole, force militaire radicale Chalmas, et président MDNH, mouvement déclaré pour une nouvelle Haïti, Mbappé Jam Gang et Mbappé Jam Gang. Alors, qui est-ce que vous dites qui fait action ça? Les gens qui font action ça sont certains de Ricardo, Ricardo Junior Abner. Mais on ne connaît pas. Non, c'est un monde qui crée un faux compte sur les réseaux et puis qui a une acquaintance avec Evans Legrand et puis Johnson Collin. Alors, et qui sont pensés qui t'a derrière une telle action comme ça? Une action politique. Parce que c'est un jeune qui sont dénonciateurs, qui toujours dénoncent les gens sur les réseaux.
Depuis que là, mes publics là, ils ont dit qu'on a une corruption, moi je cherche mes nettes enquête. Et puis, une fois pour quitter voler, pour quitter ce qu'on fait, parce que le pays n'a pas de bon corps. Haïti n'a pas un côté pour qu'on a volé, parce que trois personnes ont nécessité, trois personnes ont crasse, trois personnes ont indifférence. Un conseil m'a voulu pour PM Gayokoni, on ne va pas aller, monsieur. Chef de la police, on ne va pas aller non. On fait action parce que le pays a besoin de ça. Le pays a besoin de ça. Police qui a gardé mieux. Police qui a fait ou bien quelqu'un soit pour tout sortir dans le monde. Dans le territoire pays. Jeune garçon qui a gardé les Pierre Onal. Lycée Blanc Moto. Militant politique, il n'y a pas de gang, il n'y a pas de mal à gang. Il fait ça pour me courir, pour me cacher, pour me faire silence, jamais de ma vie. Au lieu de mourir à genoux, je préfère mourir tête en l'air. Je garde dans les yeux parce que je ne peux pas mourir tête baissée. Je suis fier. C'est fierté pour moi en tant que militant pour le pays à changer. Nous avons souhaité ne pas faire politique, changer méthode ça et puis changer pays. Mais c'est Haïti pas capable encore trop d'être dans la difficulté, trop grand dans le pays. Alors Blanc, où dit ou c'est Timon troisième non? Est-ce que vous toujours vivez dans le troisième non? Bon, c'est Timon troisième non, et même le monde ça y a pas qui dit, il dit moi c'est allé. Papa m'a 17 pièces quand il m'a 105. Bon poste matisson l'offre de verser, bon l'école puis déjà. Nous perdons tout le cas, nous écrasons et mieux traités. Et je me suis dit que comme dans le Carrefour, dans la zone Sapouti, c'est bien malheureux. Et il y a recours des empires encore. Moi, je viens de nos nomades dans notre pays. Actuellement, là, deux fois, c'est dans Rex, moi, je suis en tant que. Je vis. Et puis, vous connaissez la politique, je ne suis pas besoin de côté de dormir. Nous là, nous vivons, et c'est le bon Dieu parce que nous sommes victimes du même système. Et même pas un problème avec quelqu'un de ghetto, chacun qui fait choix, quelqu'un qui choisit pour faire l'aile d'île pour vivre, mais même choisir de faire politique pour vivre. Je dis que nous n'avons pas lié avec les qui bandits, les qui gagnent. Pour ne pas dire ni les qui gagnent, ni les qui bandits. Si les qui gagnent, c'est la justice, la police qui vous dénonce. Où dites-vous que vous êtes attaqué, les juges agiles? Qui sont les juges agiles? Bon, sortant de parler, vous avez dit que vous avez conseillé. Qui demande des BNC à 100 millions de gouttes. C'est même pas la répéter, monter sur le groupe, je dis, si mon salaire est complice, retirez notre conseil là. Si vous avez une moralité pour retirer, parce que si vous avez un soupçon de corruption depuis qu'on a. Et l'élection pour le faire là, qui est-ce que vous avez fait là? Est-ce que vous avez fait un conseil, il y a un qui a dans la corruption? C'est ça que je souhaite. Si l'UGL Gilles Banan, ou bien quelqu'un soit mon dans la corruption, vraiment, il y a un peu de bagaille, et vous arrêtez avec BNC. Si vous n'avez pas arrêté avec BNC, pas grand rien qui justifie. Pas grand et fiable dans le pays. Là où dit parce que c'était dans le GAG, est-ce que c'est après au fin de le GAG comme on qui était participé dans la réunion pour demander 100 millions de dollars qui fait que non ou vin ou non après. Bon, si après de ça, vin pour frapper ça, après de ça, et moi, j'ai utilisé non et Ricardo Junior Abner qui sont faux, non l'utiliser sur les réseaux sociaux, qui a un acquaintance avec Evans Legrand et puis Johnson Collin. Ça va pas me faire battre parce que lui Gérald Gilles, on connaît le des militants après le vin dirigeant. Ça qui arrive non cité dans la corruption. Si on connaît même rien moral ou pas dans la corruption, justifiez tout. À la justice. Mais moi-même, en tant que jeune, je m'a toujours dénoncé ça pour dénoncer. Je m'a toujours critiqué ça pour critiquer. Parce que moi-même, je voulais une critique pour changer. Je ne vais pas faire une critique pour qui dénigrer. Si on joue un monde, on me frappe et me demande dans le dollar. Et pour le venir dénoncer ce point, ça, vous vraiment d'amour, je pour mal répondre. Parce que c'est un homme, je me lâche, je me couille, je me cache des téléphones. Je me dis, je me cache des téléphones. Qui soit demandé, je dis. Même ça, m'a demandé, je dit, tout policier qui a gardé mon vaisseau, quel que soit mon qui a gardé, pas pour un beau gang, mais pas gang, mais c'est militant politique, moi fier de ces militants politiques, je prête militant politique, à l'avenir, je suis dirigeant politique, je suis parti politique, je suis une organisation qui c'est MDNH, mouvement déclaré pour une nouvelle Haïti, et puis je suis. Force militaire radicale chez le masque, c'est pour parler. Et si je suis en tractation, je ne peux pas faire courir. Et puis moi-même, je ne peux pas courir. Je suis en bataille et je suis en fierté. D'accord. Merci.